Gloire à Dieu. Prions. Votre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ce passé. J'avais ta bénie présence de Dieu. Je vais parler à mon cœur. Je te reconnaissant. Le peuple qui est devant toi, nous s'entend ta voix. Je vous bénis sous ta main puissante. Parce que mon esprit prend le temps pour nous. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour l'action, Seigneur, de ta gloire parmi nous. Et ce n'est pas enveloppé par ta nuit par ta gloire. L'esprit contraire soit chassé de ce lieu. Oui, Seigneur. Que le règne de Dieu s'établisse maintenant même. Et soit en main, Seigneur. Au nom de Jésus, votre Seigneur et Sauveur, parole ainsi prié. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler de l'enfant. Ce matin, je vous cause de l'enfant. On va prendre lui dans le livre de Luc, chapitre 11. Lui est dans Luc, chapitre 11. Le verset 21 à 22. Ah, le verset 21 à 22. Oui. Le chapitre 11. Verset 21 à 22. Oui. 11, 21, 22, Luc, évangile selon Luc, 11, 21, 22. Ok, pour faire la lecture. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme fort que lui, plus fort que lui, survient et le don, il lui enlève tous les hommes dans lesquels il s'est confié. Et il distribuait ses dépouilles. Amen. Amen. La Bible parle ici d'un homme fort. La Bible cause un homme fort. Et dans le contexte de ce texte. Et dans le contexte à ce passage, ce texte. L'homme fort dont il est question. L'homme fort. L'homme fort dont il est question. Ça, l'homme fort qui est causé là. On nous parle ici de Satan. Elle cause Satan. Le diable. Le diable. Alors nous allons un peu comprendre c'est qui cet homme fort. Là, nous comprenons un petit peu qui était ça l'homme fort là. Et comment cet homme fort agit dans la vie de beaucoup de personnes. Et comment ça l'homme fort là y agit dans la vie du monde. Pour empêcher, les empêcher d'être heureux. Et empêcher eux pour être heureux. Pour les empêcher d'atteindre l'objectif de leur vie. Pour empêcher eux pour atteindre l'objectif de la vie. Vous avez beaucoup de personnes qui prient. Il y a beaucoup de personnes qui priaient. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'approcher de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui essaient pour approcher de Dieu. Il y a tant de blocages. Mais il y a pas de blocage. Il y a tant de choses qui ne vont pas, qui n'avancent pas. Il y a tant de choses qui n'ont pas avancé. Vous savez pourquoi? Vous voulez faire? Tout simplement. Simplement. Parce qu'il y a l'homme fort. Parce qu'il y a l'homme fort. Aide-moi dire à ton voisin, ce matin, l'homme fort doit tomber. Ce matin. Si le diable, ton camarade, l'homme fort doit tomber là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il vous raconte avec un petit monde ce matin? Je dis à ton voisin, l'homme fort doit tomber. Tiens ton camarade, l'homme fort doit tomber là. Dis-le encore, l'homme fort doit tomber. L'homme fort doit tomber là. Amen. 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 Alors c'est qui l'homme fort? Donc, l'homme fort là, ça là. D'où vient-il? Quand tu sors ça? La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit que Satan a été chassé du ciel. Satan fut chassé depuis dans le ciel. Dans Ésaïe chapitre 14. Dans Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 12. À partir du verset 12. Jusqu'au verset 15. 15. On nous parle de la chute de Satan. Il cause nous, quand Satan est tombé. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. À partir du verset 11. À partir du verset 11. La Bible nous parle aussi de la chute de Satan. La Bible il cause nous, quand Satan fut tombé. Il était un ange de Dieu. Il était un ange, mon Dieu. Il était au ciel. Il était au ciel. Il était dans les cieux. Et celui qui dirige toute la chorale céleste. Et lui-même qui dirige, voici la chorale. Et la parole de Dieu nous dit. La parole qu'on te dit. Il voulait être adoré au ciel. Il a envie qu'il m'en a adoré dans les cieux. Il a voulu prendre l'adoration qui est censée être rendue à Dieu. Il a envie de prendre l'adoration qui est supposée envers mon Dieu. Donc la gloire revient à Dieu seul. Et tandis que la gloire mon Dieu. La gloire est supposée au bon Dieu du ciel. Il a voulu être lui-même une idole. Et il a envie lui-même d'être une idole. Parce que c'est quoi une idole?
ce que Dieu nous donne, ce qu'on adore, ce qu'on adore. Alors que Dieu seul, alors mon Dieu tout seul, qui est omniprésent, omniscient et omnipotent, qui est, c'est vrai que nous disons, à la fois, il est présent et il est puissant, il est tout seul, vraiment omnipotent, veut dire, il est tout puissant lui-même. Omnipotent, omnipotent, toutes les choses. Alléluia. Et ce Dieu-là, on ne le voit pas. Et bon Dieu, ne pas troubler. Il est spirituel. Il est en esprit. Il est esprit. Esprit. Il est au-dessus de tout. Il est là-haut-tout. Il est en tout. Il est dans tout. Et il est partout. Et il est partout. Et c'est ce Dieu-là. Et sa bonté là. Il doit être adoré. Il est adoré. Pas une autre créature. Pas une autre créature. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lui maintenant. Et là maintenant. Lui, Satan. Satan, oui. Avant qu'il était d'abord un chérubin, un ange. Avant qu'il était un ange. Il a voulu être adoré. Il a envie d'être adoré. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a envie de prendre place pour Dieu. Il a voulu que les hommes, plutôt les anges au ciel, se prosternent pour l'adorer. Il a envie qu'il y ait un ange prosterne devant lui pour adorer. Alors cela a excité la colère de Dieu. Et ça fait une excite colère, mon Dieu. Et Dieu va le chasser du ciel. Et mon Dieu vous chasse depuis dans le ciel. Et il va tomber sur la terre. Et il tombe de la terre. Alléluia. Alléluia. Et quand il est tombé sur la terre, quand il tombe de la terre, il n'avait plus de place au ciel. Il a place dans le ciel. Et quand il est tombé sur la terre, tombe vraiment la Bible dit, il va devenir Satan. Satan. Il va devenir le dragon. Il va devenir dragon. Et le dragon a une queue. Le dragon a la queue. Et le dragon, il est la queue. Et la queue du dragon. Et la queue du dragon. Avait entraîné aussi beaucoup de démons. Il fait entraîner beaucoup de démons. Beaucoup des anges. Beaucoup d'anges. Dans la rébellion. Dans la rébellion. Ils sont devenus des démons. Et fin vite mal démons. Et sur la terre. Et l'eau la terre. C'est-à-dire loin du ciel. C'est-à-dire loin du ciel. Là où le trône de Dieu se trouve. Là où le trône de Dieu est trouvé. Et il est tombé dans le, sur la terre. Tombe la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La terre était devenue chaotique. Et la terre est vide. C'est oui, le bruit. Un fond est vide. Un fond est vide. Il y avait le chaos. Il y avait le chaos. Fini la chaos. À cause du diable. À cause du diable. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend jusqu'à maintenant? Bon, voilà, jusqu'à maintenant. Alléluia. 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 Le monde était devenu un chaos. Et le monde est devenu un chaos. À cause du diable. À cause du diable. Suivez très bien. Suivez bien. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Qui vous passez là? Le diable était sur la terre. Sur la terre. Il avait fouillé la terre. Et là, il fait une. Mais la terre. Vous allez voir que quand Dieu va commencer à créer. Vous trouvez qu'il quand bon Dieu commence à créer. Dieu va créer l'homme. Dieu fait créer l'homme. C'est-à-dire toi et moi. C'est-à-dire toi et moi. À son image. À son image. À partir de la poussière. À partir de la poussière. Que le diable foulait. Le diable fait craser. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu. La Bible dit que mon Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. Il forme l'homme de la poussière de la terre. Et il va souffler dans ses narines, un souffle de vie. Souffler dans Nini, vraiment l'homme. Et l'homme va devenir une âme vivante. Et l'homme devient une créature. C'est-à-dire, tel que tu es. C'est-à-dire, toi, comment tu étais? Tu es composé, ta chair est composée de la poussière. De la chair qui fait de la poussière. Et ce qui fait de toi une âme vivante. Ce qui fait de toi une âme vivante. Le souffle de Dieu en toi. Le souffle de mon Dieu en toi. Amen. Amen. Et le souffle de Dieu en toi. Souffle mon Dieu avec toi. Ça fait que Dieu t'avait donné au départ la force de dominer. Ça veut dire que bon Dieu au départ même fait de toi la force pour dominer. C'est-à-dire l'homme était créé pour dominer. L'homme fut créé, fait exister pour dominer. Pour dominer la création. Pour dominer la création. Mais aussi bien les démons. Et aussi bien les démons. Aussi bien Satan. Le Satan. Parce que Satan était aussi considéré comme le serpent. Et Satan aussi, le fils de Paul, il va dire serpent. Et le serpent. Le serpent. Était un animal. Il y a un animal. Est-ce que quelqu'un de vous pense ça? Alléluia. Alors, regardez dans Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, rapidement. Et vous allez comprendre un peu le message. Psaume chapitre 8, le verset 5. Psaume 8, verset 5. 5 à 7. Donc 5 à 2 à 8. 5 à 8. Psaume, nous dirons psaume 8, 5 à 8. À 8.
Ok? On lit le psaume, on refait la lecture. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui était l'homme pour qu'il vraiment te rappelle lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ah, amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis. Est-ce qu'il a mis quelque chose? Certain? Non, non, tout. Tout. Juste tout. Tout. On va sous les pieds. Alléluia. Fais comme ça. Tout est sous mes pieds. Et les animaux de champ. Ok, les animaux de champ, ok. Genèse 3, 1. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, 1. Genèse 3, 1. Ok, vous pouvez lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ah! Le serpent. Le serpent. Oui, était le plus. Qui est le diable? Non. Le serpent. Le serpent est le diable. Le serpent qui est-il le diable. Alléluia. Oh mon Dieu, bénissant. Le serpent. Serpent. Qui est un animal de champ, n'est-ce pas? Il tient des animaux. De champ. Les champs. Maintenant, l'homme a fait la domination sur les animaux des champs. Amen. Maintenant, les hommes, ils dominent les animaux des champs. C'est-à-dire que l'homme était au-dessus du serpent. Ça veut dire qui? L'homme était au-dessus du serpent. L'homme, il tue l'homme au serpent. Donc, l'homme était au-dessus de Satan. L'homme tue l'homme au Satan. Je parle de toi. Quand on cause l'homme, on cause toi. Je dis que toi, Dieu t'avait créé pour être au-dessus du Satan. Mais toi, tu as créé pour l'homme, Satan. Amen. Quand Jésus est venu, il va dire, je vous ai donné le pouvoir. Ah, il dit, ça me donne quoi pouvoir? Pour marcher. Pour marcher. D'écraser. D'écraser. Les serpents. Les serpents. Les serpents. Et toute la puissance de l'homme. Et là, non, il va vous faire du mal. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la condition initiale. Ça, c'est vraiment ce que bon Dieu vient dire. Au commencement. Commencement. Tu étais au-dessus. Donc tu es là-haut. Mais le problème, c'est quoi? Quel problème a été là? À partir du moment. Depuis. À partir du moment. À partir du moment. Où l'homme a péché. Il a perdu cette place. Il a perdu sa place là. Il a perdu cette position. Il a perdu sa position là. L'homme fort au départ. L'homme fort. Ce n'était pas Satan. C'est pas Satan. L'homme fort au départ. L'homme fort au commencement. C'était l'homme. Amen, c'était amen. L'homme. Alléluia. Amen. Si on appelle Satan homme, c'est parce qu'il a pris la place de l'homme. Si on appelle Satan l'homme, parce qu'il vient prendre place de l'homme. Mais au départ, c'était le serpent. Mais avant, tu sais avant. Mais Jésus l'appelle ici l'homme fort. Mais Jésus l'appelle là ça. Parce que le premier homme fort était Adam. Parce que le premier l'homme fort, c'était Adam. Parce qu'il avait la domination. Parce qu'il était la domination. Alléluia. 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 Jean chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34, vous lire. C'est l'enfant. Oui, Jean chapitre 8, verset 34. Jean 8, 34, vous lire. En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alléluia. Oh. Non, c'est bon. Ok. Explique-moi. Donc, la Bible dit comme ça. La vérité, mon Dieu, Jésus peut faire ressortir
N'importe qui s'en a qui livre lui, qui donne lui vraiment au péché, livre d'esclave au péché. Ok, suivez très bien. Il dit que celui qui se livre au péché, celui qui donne la vie au péché devient esclave. Il vit esclave du péché. Donc, si tu pèches, donc si tu es au péché, le péché devient maintenant ton maître. Ah, le péché vient ton maître. Donc, qui est à la base du péché, c'est le Satan. Qui base du péché, c'est Satan. Donc, à chaque fois que tu pèches, et à chaque fois que tu es au péché, le péché te domine. Le péché là qui domine au toi. Le diable devient ton homme fort. Et le diable vit dans le fort. À chaque fois que tu vas adorer les idoles, à chaque fois que tu adores Babylone, tu n'adores pas le vrai Dieu. Tu n'adores vrai mon Dieu. Tu pêches. Ton péché là. Et quand tu pêches, et quand tu veux pêcher, tu deviens esclave. Tu deviens esclave du péché. De sa péché là. De Satan. De Satan. Alléluia. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, un enfant mon Dieu, n'est pas esclave de Satan. Il n'est pas esclave de Satan. Mais il est esclave de Dieu. Il est esclave de Dieu. Et si tu es esclave de Dieu, est-ce que tu ne comprends pas? Je te comprends pas. J'essaie de ramener vraiment ça au niveau bas pour que tout le monde comprenne. Je t'amène ça à un niveau bien bas, hein, parce que je te dis pas comprendre. Ah, tiens. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je comprends. Est-ce que tu peux comprendre? C'était la parole de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit. Donc à partir de Jean chapitre, plutôt Genèse 3. À partir de Genèse 3. Quand Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché. Ils ont perdu les clés. Je vais perdre la clé. Ils ont perdu l'autorité. Je perds ça l'autorité là. Ils ont perdu le pouvoir. Je perds ça pouvoir là. Ils ont perdu la force. Je perds la force là. À partir de ce moment là. À partir de ça. Satan est devenu l'homme fort. Il vit l'homme fort. Maintenant il vient dans la vie de l'homme. Mais maintenant il vient dans la vie de l'homme. Et il écrase l'homme. Il écrase l'homme. Avec quoi? Avec qui? Avec la maladie. Avec la maladie. Avec la pauvreté. Avec la pauvreté. Avec les souffrances que avec nous la avons. Souffrance. Donc tout ce que vous avez comme problème aujourd'hui. Tout ce que vous avez comme problème aujourd'hui. Et tout ce que tu as comme problème vient de là. Il vient là. Vient du péché. Il vient du péché. Vient de Satan. Il vient de Satan. La Bible dit. La Bible dit. Le voleur. Voleur. Qui est Satan. Qui est Satan. Le vient de vous dérober, égorger et détruire. Les vignes coquins, coupe la cause et détruire. Et ça, c'est sa mission. Et ça, c'est le travail. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, là, qui était ça. C'est que quand le diable vient, et il ne veut pas que tu saches que c'est le diable. Oh, quand le diable vient, il n'est pas envie, hein, tu fais ni connaître, et fais le connaître pas ni ça. Il te montre qu'il est mort. Et il est venu, ma diable correct. Vous savez, j'ai même regardé les dessins animés où on voit un petit diable rouge qui sourit. Et là, il ne voulait pas dessin animé, quand il un diable rouge, il priait. Alléluia. C'est pourquoi je dis terre rouge, diable rouge. On ne peut pas dire ça. Au nom de Jésus. Vous avez fait les terres rouges, j'ai commencé là, et là, il a l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il veut montrer qu'il est bon. Il veut montrer qu'il est bon. Mais il est mauvais. Mais il est mauvais. Il est méchant. Il est mauvais, il est méchant. Son but c'est de tuer. Son but c'est de tuer toi. Son but c'est de te donner la maladie. Son but c'est maladie de toi. Son but c'est d'amener les problèmes dans ta vie. Son but c'est les problèmes dans ta vie. Quel problème tu as? Quel problème tu as? Quel problème il y a dans ta vie? Quel problème il y a dans ta vie? Quel problème il y a dans ta famille? Quel problème il y a dans ta famille? L'origine de tous les problèmes. L'objet de tout pas de problème là. Vient de Satan. Il vient de Satan ça. Vient du mal. Du mal. Vient de l'homme fort. Il vient de l'homme fort. Vous allez voir que. Donc vous trouvez qui? Que l'homme fort s'organise. Et l'homme fort est organisé. À assujettir les hommes. Pour amener du monde en bas. Pour finir les hommes. Pour finir les hommes. C'est pourquoi vous allez voir. C'est pour ça que vous trouvez. Dans des familles par exemple. Dans votre famille par exemple. Dans chaque famille. Et dans toute votre famille. Il y a des hommes forts. Et dans l'homme fort. Comment est-ce que les hommes forts arrivent à rentrer dans la famille? Comment l'homme fort vient dans votre famille? Il va y avoir le chef de la famille. Et pour rencontrer le chef de la famille. Il va faire des pactes. Il va faire un pacte. Il va faire des alliances. Il va faire une alliance. Avec les esprits. Avec un esprit. Dans le but soi-disant de vous protéger. Soi-disant pour vous protéger. Dans le but soi-disant. Soi-disant. De vous faire du bien. Lorsque ces pactes-là sont conclus, lorsque les pactes sont conclus, les temps, quand ça part la fin d'un paiement, tu fais de l'autre côté, de l'autre côté là, comme le diable est un voleur, comment le diable est un voleur, il n'y a pas de cadeau avec lui. Mais il n'y a cadeau, il n'y a pas de cadeau. Il y a ton voisin, tous les cadeaux du diable sont des cadeaux empoisonnés. Cadeau, voisin, cadeau, diable, cadeau empoisonné, ça. Amen, amen, amen. Ça. Amen, amen, amen. Quand
cadeau. Tu peux être sûr. Tu peux pas sûr. Il y a du poison. Il y a du poison là-dedans. Il y a de mauvaises choses. Il y a mauvaises choses. Tu vas voir un féticheur. Tu vas être vraiment un sorcier. Avant de te donner ce que tu veux. Avant qu'il donne toi ce qu'il te l'est. On te demande des coques. Et donne-toi. Tu manques quoi? On te demande la poule. Donne-toi poule. Tu manques quoi? On te demande les œufs. Tu manques quoi? Tu sais. Mais tu ne sais pas que le coque là. Tu vas connaître ça coque là. C'est peut-être ton mari. Tu vas connaître pas ton mari ça. C'est ton papa. Peut-être que tu vas pas ça. Le sacrifie. Le sacrifie lui. Il n'y a rien avec le diable. Il n'y a pas de gratuité avec le diable. Mais il a beaucoup de choses avec le diable. Mais il y a que quelqu'un qui a donné sa vie gratuitement. Il est venu donner la vie à gratuitement. Et gratuit. La vie éternelle, c'est gratuit. J'ai ton camarade, la vie éternelle, gratuite ça. La vie éternelle, gratuite ça. Quelle présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne a fait des sacrifices. Bah, tu m'en as pour faire sacrifice. En faisant ce sacrifice, mettons je vais sacrifice là. On va livrer la famille. Là, nous peut livrer. On va vendre la famille. Nous peut donner la famille là-bas. Beaucoup de familles ont été vendues. Beaucoup de familles, ils vendent la famille. Vendues dans l'occultisme. Fin van ma famille. Vous ne comprenez pas hein, dans la sauce, dans la sauce et puis. Oui, dans la sauce et vous ne comprenez pas. Vous ne venez pas comprendre dans votre vie. Je vais vous comprendre. Vous étudiez. Vous avez des diplômes. Je n'ai pas de diplôme. Mais vous n'arrivez pas à trouver du travail. Mais je n'ai pas fait un travail. Vous n'avez pas une vie stable. Vous avez la vie qui est correcte là. Vous êtes bon. Tu es bon. Vous êtes bon. Oulala, qu'est-ce que tu es belle? Oulala, quoi? T'es joli, ouais. T'es joli. Là, mon joli. Oh, c'est vrai, mon joli, hein? Mon joli. Mon joli. Alléluia. Regarde comment ça dit, mon joli. Qu'est-ce que tu as parlé? T'es joli. Tiens. Ah, mais bonjour, t'es joli. Malgré sa beauté là, tu n'arrives pas à te marier. Tu vas réussir à marier. Et quand tu te maries, et quand tu te maries, divorce fini. Vous avez ça le problème comme ça. De trouver ça le problème. Dans ma famille, il n'y a que des divorces. Dans ma famille, il n'y a que des divorces. Ça veut dire qu'il y a l'homme fort. Il a l'homme fort là. Et l'homme fort là, c'est l'esprit des divorces. Et l'homme fort là, c'est l'esprit des divorces. Quand ça vient. Alléluia. Alléluia. Dans notre famille, dans l'autre famille, c'est le célibat. C'est pas la femme mariée. On n'arrive pas à se marier. Après, réussir à marier. Dans votre famille, dans leur famille, c'est la maladie. Maladie qui est là. Papa malade. Papa malade. Les enfants malades. Malade. Maman malade. Maman malade. Malade. Maman les filles malades. Les filles malades. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup de personnes souffrent comme ça. Et beaucoup de personnes peuvent souffrir comme ça. Moi dans ma famille par exemple. Moi dans ma famille par exemple. La plupart de mes parents. La plupart de mes parents. Du côté de mon père. Du côté de mon papa. Ils sont tous pauvres. Ils sont tous pauvres. Ils sont intelligents. Et ils sont bien intelligents. Ils ont eu des moyens. Je dis à ma mère, mais c'est des pauvres. Mais je suis pauvre. Un pauvre, ce n'est pas celui qui manque de l'argent. Un pauvre, parce qu'il met de l'argent. Parce que tu manques de l'argent, c'est pas ça être pauvre. C'est pas quand tu mets de l'argent, c'est ça. Un pauvre. Même quand tu lui donnes l'argent, même quand tu donnes l'argent, tu vas mourir pauvre. Il mourra pauvre. Parce qu'il a l'esprit de pauvreté. Parce qu'il a l'esprit pauvreté. Un homme riche, tu peux lui donner 1000 roupies. Tu es capable de donner 1000 roupies. Au bout de 10 ans, il devient riche. Dans 10 ans, les finiraient. Parce qu'ils savent comment multiplier. Parce qu'ils ne veulent pas multiplier l'argent. Est-ce que vous comprenez que c'est important? Un pauvre, ce n'est pas parce qu'il manque. Un pauvre, ce n'est pas parce qu'il manque. Je connais des gens aux États-Unis, par exemple. Beaucoup de mal, mal du monde. Un exemple simple. Un exemple simple. Vous connaissez Mike Tyson? Oui. Vous connaissez Mike Tyson? Le boxeur. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Au moment où je vous parle, il est pauvre. Et au moment qu'il mauvais cause avec eux, il a perdu. Il fait bien du tout. Dans la prostitution. Il faisait n'importe quoi. Il fait n'importe qui ça fait. Il n'a rien aujourd'hui. Il fait dans la maison. Mais vous avez à Maurice ici. Mais je n'ai pas à mort. Des gens qui sont nés dans des familles pauvres. Il y a du monde qui est né dans des familles pauvres. Donc ils sont riches. Donc la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est la richesse, c'est la mentalité. Il sait ça, c'est mentalité ça. Amen. Je peux comprendre. Alléluia. Et vous avez des esprits de pauvreté comme ça. Mais je n'ai un esprit pauvreté. Dans la famille, tout le monde est pauvre. Dans la famille, tout le monde est pauvre. Du côté de mon père. Du côté de mon papa.
Vamos, Maurice. Alléluia. 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 Du côté de ma mère. Du côté de mon maman, c'est quoi? Tout le monde meurt du diabète. Yo, tu veux mourir avec diabète? Grand-père diabète. Grand-père diabète. Parents diabète. Parents diabète. Les enfants diabète. Les enfants diabète. Moi, j'ai dit moi. Moi, vous dites moi. Jamais. Jamais. Amen. Vous savez quoi? Je vais faire. C'est l'homme fort. L'homme fort. Identifie dans ta famille. Il vient découvrir dans ta famille. L'état dans ta famille. Dans ta famille. Qu'est-ce qui domine? Qui c'est là qui domine? En mal. C'est ça l'homme fort. C'est ça qui domine en mal devant notre famille, c'est ça l'homme fort. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu commences à me comprendre? C'est moi, voilà. Tout ce qui domine en mal. Tout ce qui domine mal. C'est l'homme fort. C'est l'homme fort ça. Les gens n'arrivent pas à réussir dans la vie. Mais tu ne veux pas réussir dans la vie. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort là. Peut-être que vos chances ont été sacrifiées. Peut-être qu'ils ont fini de sacrifier toi. Les parents ont sacrifié les choses. Parents ont fini sacrifier. Vous savez, dans certaines familles. Vous savez, dans certaines familles. Les gens, combien de messieurs Marie. Et là, tu veux penser moi. Ils ont un problème de stérilité. Ils ont un problème de stérilité. Est-ce que quelqu'un vit ça ici? Est-ce qu'il y a une personne qui l'a? Est-ce que quelqu'un ici a un stérile, vraiment, hein, dans sa famille. La famille, la stérilité. On va prier pour ça. Nous vous priez pour ça. Alléluia. Alléluia. Je vais bientôt finir, on va prier pour ça. Je vais bientôt finir, nous vous priez pour ça. Ça veut dire qu'il y a un lien qui est là. Il y a un lien. Et c'est un homme fort. Et c'est un homme fort. Il faut briser ce lien. Il faut chasser cet homme fort. Mais c'est un peu pour libérer ta vie. Pour libérer de la vie. Non seulement ta vie. Non seulement ta vie. Mais aussi la vie de ta famille. Mais la vie de ta famille. Parce que si tu es devenu enfant de Dieu, si tu es devenu enfant de Dieu, Dieu te donne aussi la force. Et mon Dieu vous donne la force. L'autorité. La puissance. Pour libérer ta famille, famille. De l'enfant. Amen. 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 Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, moi, quand vous donnez la vie à Jésus, j'ai réalisé, j'avais des hommes forts dans ma famille. J'ai un homme fort dans ma famille. Je me suis dit, vous allez vous dire, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu. Et il est parti à la croix. Et il a lié l'homme fort. C'est-à-dire le diable qui régnait. Avec tous ces démons. Avec tous ces démons là. Ils ont été dépouillés à la croix. La force a été anéantie à la croix. Et ça va la force là. Il vient d'aller en ordre. Il fait le pouvoir sur ma vie. Il fait le pouvoir là. Parce que quand j'ai reçu Jésus. Parce que moi, vous venez recevoir Jésus. Je reçois aussi le mandat. Et vous venez recevoir l'autorité. L'autorité. De libérer ma famille. Libérer ma famille. Et au moment où je vous parle. Et en même temps, là, on parle de ma famille. Dans vos familles, dans vos générations, il n'y a aucun enfant qui est dans la pauvreté. Et puis, il n'y a aucun enfant qui est dans la pauvreté. Amen. Tous mes frères et sœurs, tout le monde frère et sœurs, j'ai prié pour eux. On fait prier pour eux. J'ai prophétisé sur eux. On fait poser eux. Ils ont tous fini, ils ont fait des grandes études. Je vais faire une grande étude. Ils sont tous partout. Il y en a au Brésil, au Canada, aux États-Unis. Et je pense aussi, en Russie, partout. La Russie, en Canada. Partout. Non, tu ne comprends pas. Je dis que l'homme fort aujourd'hui, on va les lier. Sans mon autorisation. C'est-à-dire personne dans ma famille va mourir sans mon accord. Personne va mourir dans ma famille sans qu'il me permette ça. Tu n'as pas compris. De ma maman. C'est-à-dire quand un mort doit venir, quand quelqu'un doit mourir. Ça veut dire quand une personne est mort. Dieu doit m'avertir que c'est sa volonté. Et bon Dieu bizarre fait moi connaître sa volonté. Si ça. C'est sa volonté, il n'y a pas de problème. Si sa volonté ça, correct. Ça. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ça n'a pas volonté de Dieu. Je vais déjà voir ça en vision un mois avant. Et amen. Vous pouvez ça même vision. Et je vais le chasser déjà en esprit. Et vous pouvez chasser en esprit avant même. C'est-à-dire même si il venait à mourir. Même si la personne mourait. Même si sa personne est mort. Ma présence seulement. Mon présence seulement, il va ressusciter. On va ressusciter. Je vous donne un témoignage que je donne un peu partout.
Vous avez besoin d'un témoignage qui va partir comme ça partout. Ça s'est passé en 2010 en Martinique, en mars 2010 en Martinique. Et là, en Martinique, ça vient de passer 2010 en mars. Je suis invité pour un séminaire de 3 jours. Vous venez invité d'un séminaire de conférence 3 jours. Samedi dimanche. Bon, vendredi, samedi, dimanche. J'arrive mardi. Vous venez arriver mardi. Mercredi, on fait une réunion. Mercredi, on fait une réunion. Jeudi, on fait une réunion pour préparer la conférence. Jeudi, on fait une réunion pour préparer la conférence. Le jeudi. Pendant que nous étions dans une maison, on était à peu près 30 personnes. J'ai dit pendant que nous étions dans le rayon, tu as à peu près 30 personnes. Une femme est venue, elle est morte. Une personne, une malade finie, elle est morte. Je dis quoi? Et vous dites qu'elle Mais si elle meurt là. Mais là, ce niveau-là. Les gens vont dire quoi? Qui peut dire vous dire? Un pasteur est sorti, il est venu de la croix. C'est la sorcière qui dit que tu es venu ici. J'ai dit non, non. Et moi, je dis non. Dans mon alliance avec lui. Dans mon alliance avec Marie. Avec Jésus. Avec Jésus. Jamais on meurt dans sa présence. Dans l'hôpital, je ne vois pas ici. Tu es venu mourir là où il y a la vie. Parce que le mort à côté de la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Et Jésus est la vie. Je vous dis. Vous êtes sûr? Aujourd'hui, je veux témoigner, mais quand ça s'est passé, j'ai tremblé. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas témoigner, mais quand ça s'est passé, moi, tu tremblais. Tu dis ah. On a amené la femme dans la pièce à côté. Et nous venons amener madame là dans le placement. J'ai dit à Dieu, je suis fait pour. Et mon Dieu, bon Dieu, là qui m'a fait là. Dieu m'a dit, dis à tout le monde de se lever. Et bon Dieu, dis à tout le monde se lever. Tout le monde. Et on a commencé à adorer Dieu. Et toujours le monde levé, commence à adorer. Et comme je joue au piano, on a. Et comment on joue au piano? On joue au piano. Ça a duré pendant 20 minutes. Et ça vient tirer pendant 20 minutes. Et là-bas, il priait, mais rien ne se passait. Et là-bas, il priait, non, rien ne va te passer, papa. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, va dans la pièce. Et mon tal là-bas, mon Dieu qui dit là-bas. J'ai laissé les gens prier. Et mon laisse pas du tout. Je suis allé dans la petite pièce. Au final, je fais sortir les gens qui étaient là. Mon Dieu, pas du tout. On est resté dans 2 personnes. Et mon résiste avec des. Et Dieu m'a dit, commande. Et à l'esprit de mort est parti. Et là, mon Dieu, j'avais ça. Commande ça, l'esprit mort. Là, je suis dit à l'esprit de mort. Maintenant même, Dieu te chante ce temps. Et mon Dieu, à l'esprit mort. C'était la même au commandement. Allez. Maintenant. Et mon réclame l'esprit de vie pour venir. L'esprit de vie vient maintenant même de ce corps. Et mon appel l'esprit de vie pour maintenant vous rendre dans sa vie. J'entends seulement. Vous t'avez seulement. Et là, je vais. C'est la première expérience que je fais. C'est la première expérience que je fais dans la résurrection. C'est pourquoi le ministère que Dieu m'a donné s'appelle la résurrection. C'est pour cela que le ministère pour mon Dieu de moi s'appelle la résurrection. Je sais de quoi je parle. Vous connaissez mon métier là. Vous connaissez la puissance de la résurrection. Vous connaissez la puissance de la résurrection. Combien de cette puissance donne la vie là où il y a la mort. Amen. Et cette puissance dans le vinyle donne la vie là où il y a la mort. Tu ne peux pas mourir sans l'autorisation de Dieu. Ça veut dire que pas tout mot sans qui mon Dieu permet. Amen. Est-ce que tu comprends ça? L'homme fort, la vie, la mort, il n'a pas de pouvoir sur toi. Là, vraiment, l'homme fort, vraiment, il n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qui nous trouvons aujourd'hui? Nous voyons dans des familles, chaque année, il y a des morts à la même période. Ah, tu trouves chaque année une famille est morte, même les temps. Et surtout quand on arrive au mois de décembre. Et surtout quand on arrive dans décembre. Même les chrétiens commencent à trembler. Et ils se demandent qui sera parmi eux, qui va rentrer dans la famille. Mais j'avais ça là qui pour aller là. C'est là ce tour. C'est là ce tour d'arriver là. Ah oui, c'est vrai. Non, chantez-moi. Je ne sais pas si c'est comme ça, oui. Mais ailleurs c'est comme ça. Au mois de décembre, les gens prennent tout le monde à l'église. Pourquoi les gens vont prier le 24 décembre? Pourquoi même les paris vont à l'église là-bas? Le 24 décembre. Parce qu'ils ont peur. Je veux dire à quelqu'un, tu ne seras pas cabri. Tu ne seras pas cabri. Tu ne seras pas un poulet. C'est pas pour un cabri, tu vas pas un poulet là. Alléluia! 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 Non, Dieu est bon. Bon, Dieu est bon. Alors, pour terminer. Pour terminer. La Bible dit que l'homme fort a été lié. Il fut attaché. A été dépouillé. Il fut dépouillé. Jésus-Christ l'a dépouillé. Et Jésus-Christ fut dépouillé. Parce qu'il a dépouillé. Parce qu'il fut dépouillé. Il te donne aussi la force de dépouiller l'homme fort dans ta famille. Et il nous donne la force aussi pour dépouiller ma famille. Et ce matin, nous allons déloger les hommes forts. Et là, sorti là, grand matin, nous délogeons. Ce matin, nous allons chasser les hommes forts. Et là, nous ne chassons pas l'homme fort. Ce matin, nous allons purifier l'atmosphère. Ce matin, nous purifions.
l'atmosphère. Et ce matin, nous allons changer les choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Le chômage doit t'éviter aujourd'hui. Chômage, quitte-toi aujourd'hui. Vous savez, même dans l'église à Paris, vous savez qu'en France actuellement il y a une crise. Hein, il y a vraiment une crise. Il y a une crise dans la France actuellement. Il y a des gens qui ont du mal à trouver du travail, des boîtes fermes. Il y a même des personnes qui pas gagné le travail si facilement. Moi je commençais à un moment donné à pleurer aussi, je me suis dit quand même il y a la crise, il faut, je voulais même aller au Canada, tout ça machin. Moi je commence vraiment à pleurer parce qu'à cause de la crise, moi je suis venu au Canada. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je voulais qu'on dise de moi. Dieu m'a dit une chose. Bon, Dieu m'a dit chose. Il m'a dit ce que les hommes appellent crise, ce n'est pas une crise pour toi. Yeah. Mm. Bon Dieu, dis-moi ce qu'il m'a dit, vous n'avez pas crise. Je veux dire pas crise. Je veux dire à quelqu'un. Et moi, vous dire, ce n'est pas parce que tout le monde subit des choses que toi aussi tu vas subir les choses. Bon Dieu, est-ce que tu sais pas à cause de ma vie? Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Parce que pas tout le monde du monde. C'est-à-dire si on dit qu'en Maurice, les gens ne peuvent pas réussir. C'est-à-dire que tu aurais dans Maurice, du monde pas réussi. Tu peux dire tous les Mauriciens sauf moi. Donc à part dire tous les Mauriciens là-dedans, sauf moi. Moi, je pourrais ici, quand je suis parti. Je vais te dire ce matin. Et vous matin. Ce qui est impossible aux autres est possible pour toi. Ce qui est impossible pour toi est possible pour toi. J'ai commencé à déclarer ces choses. Et vous pouvez déclarer ça qui te fait. Je me suis rendu compte qu'à l'église aujourd'hui, le chômeur, ça s'effondre dans la loi de Dieu. Et vous pouvez comment. Vous trouvez qu'il est vraiment dans l'église aujourd'hui, le chômeur, et là, le chômeur. Le chômage disparaît. Et comment si tu pas travail, comment est-ce qu'il y a un travail? Le chômage disparaît. Alléluia. Ma pauvre femme avait une patronne. Elle a eu un bon travail. Pour madame, même qu'il y a un bon travail. Pour madame, il y a un bon travail. Les gens, je rentrais de l'Afrique, on m'a dit, mais deux personnes me disent, mais on vient d'avoir des promotions avec des salaires. Oula, j'ai dit, mais c'est bien. Des donc ça, le Dieu va encore aller plus loin. Et là, le Dieu pour aller plus loin. Alléluia. Parce que nous avons des projets. Nous voulons acheter, nous voulons faire ceci. Et mais si projet, tout le monde le fait, comment on va faire? Mais si vous n'avez pas rien envie de faire. Donc, avant de dire aux gens s'aimer, avant de dire aux gens amener. Avant qu'ils vous disent, Dieu amener, s'aimer. Je suis aujourd'hui, je dis, le sol là où vous êtes là, ça va vous donner du travail. Amen. Et là, c'est nous, vous dites, le sol, maintenant. Donc, l'homme fort là est chassé. Et là, l'homme fort vient de chasser. Tu ne peux pas me dire que là où je suis, je ne peux pas réussir. C'est faux. Et là, tu n'es pas capable de dire là où tu étais, mais pas réussir, il faut ça. Parce qu'on pense que pour réussir, il faut être au Canada, aux États-Unis. Tu pensais pour réussir, bizarre Canada, bizarre pas réussir. Il y a des gens qui sont là-bas et qui souffrent. Et la mandibule qui là-bas aussi, ils ont souffert. Mais c'est quelqu'un mon temps ce matin. Se met à moi dans ma tête. Alléluia. C'est faux, mes frères. C'est bien faux, ça. L'homme fort doit être lié. L'homme fort, bizarre. Si on te dit que non, ici à Maurice, c'est difficile de trouver un bon mari, les Mauriciens, ils sont la tête seule. Non, je dis, c'est faux. Bien, vous n'avez que du pas. Amen. Ça. Difficile pour ton mari dans Maurice. Est-ce que le célibataire, ils vont prier pour ça. Le célibataire, allez-le. Le célibataire, allez-le. Tout le monde est marié ici. Qui veut se marier, c'est le matin qui veut se marier. Tu es marié là? Ciao, tu es marié, c'est qui? Tu es pas marié? On va la même. Ok. Ah, c'est un célibataire? Tu es marié? Non. Non, il faut leur dire. Hein. C'est un moment comme ça que ça se passe. Hein. Ouais, c'est là, c'est un moment comme ça qui s'est passé. Vous savez, récemment, je parlais du travail à l'église. J'ai rigolé. Et là, mon fils parle du travail à l'église. Parce que. J'ai plusieurs styles de prédication. Oui, on a plusieurs styles de prédication. Il y a des moments, c'est rigole. Il y a des moments qui nous dialoguent. Mais quand les gens pensent qu'on fait la blague. Et quand on fait rigoler, on a pensé une blague. Il y a quelqu'un qui était là, qui il avait du mal à trouver du travail. Et il y a du bon là, tu ne peux pas passer le travail. Et après, je dis, bon, tous ceux qui veulent du travail, venez. Et après, on dit, tous ceux qui ont envie de travailler. C'était un mardi. C'est un mardi. D'ailleurs, le message est sur Internet, tout travail pour plus l'abondance. Et ils l'ont vraiment Internet. J'ai dit, bon, venez. Ceux qui veulent travailler sur Internet. J'ai prié. Et là, il me dit, voilà, venez nous prier. Je vous ai donné tout à l'heure les témoignages de promotion. Mon propre médicament vient d'avoir une promotion. Son salaire a doublé. Son propre frère vraiment vient d'avoir une promotion. Son salaire est doublé. Ça, je vous dis la vérité, c'est comme des blagues. Et là, il coupe. Ça arrive. Le frère est venu, le lendemain, on l'appelle, on dit qu'on t'embauche. Où ça, c'est Air France. Waouh. Mais mettons le frère vient venir.
Enfin, il téléphoné et là, il vient gagner. Salaire net, 2500 euros. Net. Voilà, ce salaire de base, 2500 euros. 100 000 roupies. 100 000 roupies. Pour moi. Pour moi, combien de roupies? 100 000. Ah, 100 000. 100 000 roupies par mois. Oh, c'est bon. Tu veux? On lève des mains. Qu'il en soit ainsi pour lui mettre en main au nom de Jésus-Christ, afin qu'il accomplisse puissamment et fidèlement la mission. Merci de l'honorer, au Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis que Dieu fait de miracles. Je ne parle pas des idoles. Je ne parle pas de l'idole que tu vas mettre à manger tout le matin, il n'apporte rien. Je t'appelle. Je te parle de Dieu vivant. Je te parle de Dieu créateur du ciel et de la terre. Je te parle du soleil qui est tout pouvoir. Je te laisse sur le corps de la terre. Dans le ciel et la terre, il a tout pouvoir. Mes frères, je connais ce Dieu-là. Et vos comptes à mon Dieu-là. Je le connais. Et vos comptes à mon Dieu-là. Oui. Oui. Et là, je dis, tout ce qui est à l'église, tous les célibataires, vous allez vous marier. Tous. Tous ceux qui sont célibataires là pour nous marier. Amen. Parce que je ne veux pas la publicité à l'église. Et là, je suis encore rentré de Paris. Parce que je ne voulais pas te dire, mais je suis avec tel frère. Et là, quand je rentre, mais moi là-bas, il y a une personne qui dit comme ça, mais pourquoi j'ai envie de toi, mais pourquoi avec quel frère? Ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Bon, non? Ça fait que les pendés dans son verre. Ainsi, c'est la tradition. Racine, hein? Ouais. Et je dis à l'église. Et mon Dieu à l'église. Il n'y aura aucune femme stérile. Après, aucune madame stérile. Je dis bien aucune femme stérile. Après, aucune madame stérile. La preuve que quand les gens se marient, et la bref, quand on m'a dit, marié, un mois après. Ah oui. Un mois après. Sans manger. Ah oui. Sans manger. 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 Sans Alléluia. Alléluia. Parce que vous avez des familles. Parce que j'ai la ma famille. Nous sommes en train de rire, ça. Mais je vous assure, ce sont des choses vraies. Rappelez, riez, mais la vérité. Vous avez des familles. Il y a ma famille. Les gens se marient. Bah, du coup, je m'en viens. Ils ont des enfants. Ils ont plus d'enfants. Et ça amène des problèmes. Et ça amène des problèmes dans la famille là. Amen. 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 Beaucoup de problèmes. Mais quand Jésus vient. Et quand Jésus vient. Jésus vient. Alléluia. Alléluia. Et je demande maintenant, vous voulez quoi? Des jumeaux, des jumelles, des triplés, des quadruplés? Si on me pose les mains, ça marche, on va poser les pieds. Et les picos, triplés, hein, jumeaux. Jumeaux, hein, pas picos. Parce qu'il peut y aller là. Pégaye triplé, pégaye jumeaux, pégaye. Alléluia. C'est possible. C'est possible ça. Qu'est-ce qui te fatigue? Qui te fatigue toi, toi? C'est quoi ton problème? Qui te problème toi? Qui est l'homme fort qu'il a? Qui parle l'homme fort qu'il a? Qui peut t'empêcher d'avancer? Qui empêche toi de l'avancer? Alors je vais dire une chose pour finir. Vous pouvez dire une petite chose avant de terminer. Si vous chassez l'homme fort, si tu chasses l'enfant, il ne faut plus l'entretenir dans le coulisses, dans le secret. Et là, quand tu n'as pas rentre, donc tu ne peux pas venir écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas capable de vous parler. Et de l'autre côté, entretenir une idole. Et de l'autre côté, tu peux entretenir une idole? Non. Si vous avez des idoles, si tu n'as pas d'idole, si vous avez des chapelets. Si tu l'as si tu avais des mauvaises choses, si tu as mauvaise chose, des choses sous le lit, quand tu es mal vu, je ne sais pas, dans le lit, des statuettes, et bien, amène ces choses, amène ça, ma petite chose, amène ça au pasteur, amène ça, on va le bouillir au nom de Jésus-Christ, alléluia, c'est pas pour qu'il gagne, on va le bouillir au nom de Jésus-Christ, alléluia, il faut que tu coupes avec le monde, quand tu vas y passer, coupe avec le monde, s'il y a le péché quelque part, s'il y a un péché, il faut te répentir. Alléluia. Il faut la répondance sincère. Vous avez une répondance sincère. La répondance chasse Satan et le guide Dieu.
Répondance quand tu répondis de ça, Satan. Amen. La répondance, ça, Satan. Répondance quand tu répondis de ça, Satan. Ça chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres. Et ça invite la lumière. Et ça invite la lumière. Ça invite la présence de Dieu. Présence de Dieu. Tout nom parfait. Tout nom parfait et toute grâce excellente descend dans le haut. Tout nom parfait. Et toute grâce excellente. Et toute grâce excellente descend dans le haut. Il descend depuis là-haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve. C'est ta grâce qui me sauve et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de bon, Jésus, aurais-je été indulgent devant la foi des tiers?